vie que je t'ai donnée. Quand tu fais de la vie que je t'ai donnée, toi, chaque fille qui t'a pris comme une prostituée, tu attends que la nuit tombe avant que tu sors de la maison. Parce que c'est toi, la nuit pour toi, c'est le jour. Et le jour, c'est la nuit. C'est dans la journée que toi, tu tombes. Tu es devenue paresseuse. Tu ne peux pas aider ta mère au champ. Tout ce que tu sais faire, c'est mettre les noms vernis, les mêmes hommes, les faux hommes avec les vernis, mettre les décorations sur ton visage. Une poupée bambine, les faucilles, tout ça, les choses des gens savent que tu cherches sur ta vie. Bien aimé, les choses ne peuvent pas t'aider. Ça va te détruire. Ça va te conduire en enfer. Laisse-moi te dire une chose, bien aimé. Tu vas dire non. Ouais, je joue la vie. Tu vas montrer ton corps à l'extérieur en portant les habits impudiques. Parce que tu dis, tu veux montrer ta beauté. Écoute une chose. Ta beauté en enfer ne fera que foutre de ta beauté. Si tu arrives en enfer avec ce corps, ne fera que foutre de ta beauté. Ce qui est plus important maintenant, c'est de savoir est-ce que la vie que je mène est agréable à Jésus. La vie dont je suis parti de mener, est-ce qu'elle est agréable à Jésus? C'est cette question qui doit hanter ton esprit. Et alors, si tu te rends compte que la vie que tu mènes est désagréable aux yeux de Dieu, tu es interpellé, tu dois te repentir. Réponds-toi bien-aimé, réponds-toi de cette mauvaise façon de faire. Tu es devenu le rebelle aux parents. Quand ta mère parle, tu réponds sans dire que c'est ta épouse. Alors que la Bible déclare, enfant, honore ton père et ta mère, afin que tes jours soient prolongés dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Et il te dit, dans Éphésiens 6, la Bible dit, enfant, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. C'est le premier commandement accompagné d'une promesse. Bien-aimé, si tu n'honores pas tes parents, tu es en train d'écouter ta vie sur la terre. Tu es en train de rendre aussi ta vie sur la terre. Et ainsi la malédiction pèse sur ta vie. Pèse sur ta tête. Parce que bien-aimé, si tu désobéis à cette ordonnance divine, la malédiction tombe sur ta vie. Mais ce soir, il est question que tu prennes conscience, que tu regardes à toi-même, que tu observes ta façon de faire, ta façon de marcher et ta façon de vivre, que tu réalises, que tu es éloigné même de ton Créateur. Jésus ne vient pas ce soir pour te condamner, il vient t'interpeller afin que tu prennes conscience. Car, bien-aimé, le Seigneur ne vous aime pas la mort du pécheur, mais ce qu'il souhaite, c'est qu'il se repente et qu'il soit sauvé. Que tu meurs la masturbation, Seigneur, la pornographie va causer ta mort en enfer. Repends-toi de ces choses, abandonne la pornographie, enlève ces choses dans ton téléphone. Efface ces choses dans ton téléphone. La pornographie va te conduire dans le feu éternel. La Bible déclare que ton corps est le temple du Saint-Esprit. Et quiconque détruit le temple de Dieu, je le détruira. 1 Corinthiens 3, verset 15. Qu'est-ce que tu fais de ce corps que Dieu t'a donné? Qu'est-ce que tu fais de ce corps que Dieu t'a donné? Qu'est-ce que tu fais de ce corps que Dieu t'a donné? Tu te livres à l'ivrognerie, tu bois jusqu'à t'enivrer. Parfois tu tombes dans les rues, tu dors dans les caniveaux à cause de l'ivrognerie. Ce que tu appelles la bière, laisse-moi te dire, moi pour les gens, ce que tu appelles la bière, moi j'appelle ça les pupilles de Satan. Les pupilles de Satan, parce que c'est la faute de lien de dans ton corps. Ça détruit non seulement ton corps, ça détruit la société. Regardez la jeunesse aujourd'hui. Il est jeunesse abrutie, il est jeunesse sodomisée, homosexuelle, pervertie, une jeunesse paresseuse, une jeunesse abominable. C'est ce qu'on peut constater aujourd'hui. À notre temps, on sortait de l'école, on partait chercher nos parents au champ avant de les ramener à la maison. Mais toi, jeune homme, qu'est-ce que tu fais? Même laver les assiettes chez vous, ça te dépasse. Laver le sol de tes parents, ça te dépasse. Quand on te parle, tu boules. Les parents t'interpellent, tu boules. Tu te crois déjà si grand que lorsque la maman te parle, tu la menaces des yeux. Quelle malédiction tu es en train de porter. Quelle malédiction.
malédiction, tu portes pas ton caractère. Toi, jeune fille, ce n'est pas parce que les hommes te sifflent déjà que tu crois que tu es grande. Tu es encore enfant, aussi longtemps que tu es sous le toit de tes parents, tu te soumets à leur autorité. Ta mère parle, tu parles, on dirait ta vie pousse, alors que c'est elle qui t'a enfanté. Ta mère parle, tu parles, tu la tiens tête, on dirait c'est ta vie pousse. Et quand tu fais ces choses, la colère de Dieu est sur ta tête. Enfant, révèle aux parents. Dieu te répète ce soir. Lis-toi, jeune homme. Tu es là comme ça. Tu tournes. Tu attends la nuit tombée. Parce que tu vas commettre tes forfaits. Tu vas agresser les gens. Fais-le. La colère de Dieu est sur la tête de tous ceux qui commettent de telles choses. Repends-toi du vol. Repends-toi du banditisme. Apprends à travailler. La Bible déclare l'homme mangera la sueur de son visage. Tu dois travailler pour manger. Repends-toi, bien-aimé. Il est encore temps pour toi de te sauver. Car la colère de Dieu, ça passe sur les nations qui sont rebelles à sa parole. Et même sur cette nation, la colère de Dieu est en train de prendre effet. Raison pour laquelle on peut constater la famine aujourd'hui. La famine est en train de battre son plein. Hier, on parlait de Corona. Mais ce que vous oubliez, c'est que Corona n'est que la colère de Dieu pour les fils de la rébellion. Le salaire du péché, c'est la mort. La Bible le dit si bien. Le salaire du péché, c'est la mort. Tu vas dire non. Est-ce que on ne peut pas me laisser vivre ma vie, jouer ma vie? Mais laisse-moi te dire, ce que tu oublies, c'est qu'un jour, un jour, où tu rendras compte à ton Créateur, tu rendras compte de cette vie que tu as créée, de comment tu as mené ta vie sur terre. Tu peux vivre dans la masturbation comme tu veux, tu peux vivre dans l'ivrognerie comme tu veux. Tu peux le vivre dans cette prostitution comme tu le fais très bien. Tu peux vivre dans tes avortements que tu fais à ta chair. Mais ce que tu ignores, c'est que Dieu te voit. Et que le sang de ces enfants que tu avortes crie contre toi chaque jour. Crie contre toi chaque jour. Tu peux vivre dans cette atmosphère en trompant ta femme dans les hôtels, partout où tu veux. Tu peux vivre dans cette atmosphère en trompant ton mari, femme. Toi, tu te caches aux yeux des hommes, mais ce que tu ne sais pas, c'est que Dieu te voit. Et Dieu, tu dans sa parole. Il est les atmosphères. Il est les atmosphères. Atmosphère, repends-toi. Repends-toi de cette façon de faire. Tu vas dire, on ne peut pas manger la même nourriture chaque jour. Le jour où tu allais chercher cette femme, tes yeux n'étaient pas attachés. Tu devais te rendre compte qu'un jour, le temps devait passer. Et le temps devait avoir raison de son corps et même de sa beauté. Ceci étant, maintenant que l'âge est en train de s'assassiner sur son corps, bien-aimé, tu n'as pas le droit d'aller commettre l'adultère. Parce que l'homme peut combattre contre tout, mais ne peut pas combattre contre la vieillesse. C'est le chemin de toute personne. Ne peut pas aussi même combattre contre la mort, car tous mourront. Mais tout n'est pas de mourir, c'est de savoir où est-ce que je vais aller après la mort. C'est la question que tu dois te poser chaque jour. Où il est mon âme? Où il est mon âme? Après la mort, c'est cette question qui doit te hanter chaque jour de ta vie. Parce que bien-aimé, un jour fier, ou ton Créateur. Tu appelles la végétation ton Dieu. Ce même arbre que tu peux adorer, je fais de lui mon bois. Avec lui, je chauffe mon filet. Je prépare ma bouillie. Je prépare mon couscous. Bien-aimé, quelle abomination. Comment toi aussi tu peux imaginer que le chien a son plat, le chat a son plat, même le fou a son plat. Mais ton Dieu mange par terre. Quelle insulte, bien-aimé. Quelle insulte. Comment tu peux faire de telles choses? Tu es tombé plus bas que l'animal. Tu as adoré la créature. Au lieu d'adorer le Créateur. Tu as adoré la créature. Au lieu d'adorer le Créateur. Mais Jésus t'est à la main ce soir. Il veut te sauver de l'idolâtrie. Depuis que tu pratiques ces choses, rien n'a changé. La famille est toujours divisée, toujours la haine dans le cœur.
Parce que l'arbre ne peut pas apporter la transformation de la vie. Hey, mon Dieu. L'arbre ne peut pas apporter la transformation dans ton cœur. Mais Jésus-Christ, qui est vivant, lui qui est descendu, il est mort à la croix pour ton péché. Il est mort à la croix pour l'humanité. C'est Jésus maintenant ce soir. Il t'interpelle. Il te dit homme. Il te dit femme. Abandonne tes mauvaises voies. Tu me cherches loin. Tu me cherches là où je ne suis pas. Jésus te dit ce soir que tu l'as longtemps cherché dans les cours d'eau, dans les rivières, chez les marabouts, en bas des arbres. Mais ce soir, il te dit, il est venu. Il est tout près de toi. Il veut parler à ton cœur. Il veut faire son entrée dans ta vie. Jésus t'interpelle. Tu l'as longtemps cherché là où il n'est pas, en pratiquant l'idolâtrie. Bien-aimé, les marabouts t'ont longtemps trompé. L'idolâtrie t'a longtemps trompé. Depuis que tu verses le conseil en bas de l'arbre, qu'est-ce qui a changé? Depuis que tu verses la couleur bleue divine en bas de l'arbre, qu'est-ce qui a changé? Depuis que tu verses l'huile sur les crânes, qu'est-ce qui a changé? La famille est toujours divisée. La haine, la division, la méchanceté, les rivalités, le meurtre, la criminalité, toutes ces choses, la jalousie, la division dans la famille. Et chaque jour, vous êtes en bas des arbres. Vous dites que vous cherchez la réconciliation. Vous invoquez le Dieu, un soi-disant Dieu, un Dieu mort. Mais cet arbre que toi tu adores, moi je fais de lui mon bois de chauffage. C'est avec lui que je prépare mon couscous. Mais quelle abomination, bien-aimé. Même le chat a son plat, le chien a son plat. Mais toi tu verses la nourriture de ton Dieu plutôt par terre. C'est une insulte, bien-aimé. C'est une insulte. Mais Jésus-Christ que je viens t'annoncer, il est vivant. Il est vivant, bien-aimé. Il n'a pas changé. Et ce soir, il m'envoie te dire que tu l'as longtemps cherché là où il n'est pas. Mais il veut que tu changes ta façon de faire. Il veut que tu viennes à lui. Jésus-Christ n'a pas besoin de ton argent. Jésus-Christ a besoin juste de ton cœur, de ton approbation. Il veut juste que tu ouvres ton cœur. Et il va venir habiter en toi. Il va te transformer. Il va te donner une nouvelle façon de voir, de vivre. Il va ôter ton péché. Bien-aimé, écoute, depuis que tu fais ces choses, depuis que tu pars chez les marabouts, depuis que sur toi comme le vêtement, tu pars partout, tu dis que tu vas laver le dos. Depuis que tu laves le dos, qu'est-ce qui a changé? Depuis que tu laves le dos, qu'est-ce qui a changé? Tu verses l'huile sur le crâne, tu dis que oh, le crâne est fâché contre moi. Tu penses que le crâne était tellement puissant, pourquoi il ne sort pas du sol? Si le crâne était trop puissant pour qu'il ne sorte pas du sol. Laisse-moi te parler. Le Jésus que je t'annonce, un jour dans le tombeau, deux jours dans le tombeau, troisième jour, il est ressuscité. Alors si tu penses que ton crâne, que tu adores, que tu as mis à l'angle de ta maison là, si tu penses qu'il est trop puissant, pourquoi il ne sort pas du sol pour apporter la solution dans la famille? Pourquoi il ne sort pas du sol pour apporter la solution au problème de la famille? Depuis que vous adorez ces choses, la famille est toujours divisée. La famille est toujours dans la haine. Dans la méchanceté, regarde comment tes parents, tes enfants t'ont abandonné, tes enfants t'ont rejeté, tes enfants t'ont abandonné, ils ne prennent pas soin de toi. Parce que les esprits méchants que vous passez le temps à adorer en bas des arbres, sous les bras, se sont mis à diviser la famille, créer l'adoucissement des cœurs des enfants. Et c'est comme ça que les familles sont maintenant dans les tourments. À cause de l'esprit de Satan a répandu en bas des hôtels que vous adorez, en bas des arbres que vous adorez. Mais bien-aimé, Jésus ne veut plus que tu fasses ces choses. Jésus veut que tu sortes de l'idolâtrie. Parce que l'idolâtrie ne peut pas garantir le salut de l'homme. Ne peut pas apporter la solution à ton problème. Depuis que tu fais ces choses, tu es à tes pensées. Marabout à marabout, d'arbre en arbre. Tu es parti de crâne en crâne. Mais rien n'a changé. Parce que Saint Jésus peut apporter la transformation d'une vie. Saint Jésus peut apporter la transformation d'un cœur. La société est comme elle est là, parce que les hommes ont régné Jésus. La société est tordue aujourd'hui, parce que les hommes ont régné Jésus. La méchanceté s'accroît sur la terre, parce que les hommes ont régné. Allez où? Ils se sont détournés des voies de Dieu. Les ordonnances que le Seigneur Jésus a prescrites, les hommes ont abandonné. Ils sont en train de faire par leur propre façon, par leur manière. Ils sont en train de se livrer à toutes sortes de débordements. On voit la méchanceté. Aujourd'hui, c'est plus grave même. Jamais on a vu un coq croiser un coq. Jamais on a vu une poule s'accoupler avec une poule. Même le porc ne s'est jamais confondu pour croiser un autre porc. Bien aimé, mais aujourd'hui, l'homme est tombé plus bas que l'animal. On voit les hommes pousser avec les hommes.
les femmes vous savez les femmes, un abominable est allé jusqu'à mon Dieu vision, il autorise la bénédiction des pédés dans son église. Mais moi je vais dire, c'est un abominable, il n'a même jamais cru, c'est un sataniste, c'est un fils du diable. Oh yo, oh yo. Parce qu'il n'a jamais cru, cet homme est un envoyé de Satan pour troubler le monde. Et moi, je suis venu t'interpeller. Toi qui es dans ce système qui légalise l'homosexualité, Jésus t'interpelle ce soir. Jésus veut que tu sortes de là, de l'abomination. Jésus veut que tu sortes de ce système abominable. Jésus veut que tu sortes de ce système satanique, que tu sauves ton âme. Plusieurs se cachent derrière une soi-disante église qui se dit la première église du monde. Qui vous a dit? La première église du monde est l'église, la seule église qui existe. Et qui porte la présence de Jésus, c'est celle que lui-même il a éduqué. C'est celle que lui-même il a fondée par son Saint-Esprit. Mais sataniste vénère, il dit qu'on va payer le mariage homosexuel. Lui-même il est maudit. Il est 7 fois, 1000 fois maudit. Qu'il se répande, sinon il ira dans le feu éternel. Répandez-vous, les temps sont finis. Répandez-vous. Attends, il faut même l'appeler. Répandez-vous. Elle a duré. Les temps sont finis. On est en train d'évoluer. Répandez-vous. Les temps sont finis. Jésus revient bientôt. La cour du ciel est sauvée en habitant. Et toi, chrétien, pose-toi la question. Est-ce que tu pourras aller aussi? Et toi, musulman, pose-toi la question. Est-ce que tu pourras aller aussi? Et toi, catholique, pose-toi la question. Est-ce que tu pourras aller aussi? Et toi, voleur, pose-toi la question. Est-ce que tu pourras aller aussi? Les anges par milliers parcourent le ciel. Et serais-tu un habit blanc? Et toi, mon frère, pose-toi la question. Est-ce que tu pourras aller aussi? Les bêtes conduisent en enfer. Tu oublies même souvent de rationner à la maison. Tout ton argent prend à l'épargne. Parce que tu deviens un homme irresponsable. Tous les buveurs vont rater le ciel après l'enlèvement. Tous ceux qui boivent de l'alcool vont rater le ciel après l'enlèvement. Parce que Jésus n'a pas institué le vin. Est-ce que la bière que Jésus a transformée en vin, comme vous dites, est-ce que c'était alcoolisé? Non. Est-ce que c'était les boissons qu'on prend dans les brasseries? Non. Ce n'était pas ce qu'on prend dans les brasseries. Ce n'est pas ce que vous partez acheter dans les boutiques. Repentez-vous. La Bible dit qu'un chien vivant vaut mieux qu'un ivrogne. Un chien vivant vaut mieux que celui qui prend de l'alcool. Peut-être que là, ta chambre, il y a ça. Dieu ne laisse pas mourir les oiseaux du ciel. Donc si Dieu prend soin des oiseaux du ciel, à combien plus forte raison, nous les humains qu'il a créés à son image selon sa ressemblance. Alléluia. Et il nous rassure chaque jour qu'il nous aime. Beaucoup sont dans le péché parce qu'ils veulent maintenir leur vie de luxe. Si j'abandonne, si j'accepte Jésus, ma famille ne va plus me soutenir. Si j'accepte Jésus, personne, mes amis vont me laisser. Et à cause de cette vie de luxe, tu préfères lier ton âme en enfer pour toujours. Tu préfères vivre sans Jésus et aller passer l'éternité en enfer. En enfer, il n'y a pas un enfer. Bien aimé, c'est l'erreur. En enfer, il n'y a pas de repos.
En enfer, il n'y a pas de récréation. Alléluia. En enfer, il n'y a pas de congé. Donc si tu te retrouves en enfer, c'est pour l'éternité. La vie est courte et qu'il faut en profiter. Tu dois lui dire que l'enfer est réel et qu'il faut éviter à tout prix. Oui, l'enfer est réel. Et c'est pendant que tu es sur la terre que tu peux faire tout pour éviter l'enfer. Alléluia. Ce n'est pas après la mort qu'on va appeler le cardinal ou bien l'archevêque ou bien même le pape pour venir bénir ton corps. Ça ne sert à rien. Parce que quand on va venir bénir ton corps n'a rien à voir avec le paradis. Vérité. Ton corps n'a rien à voir avec l'éternité. Alors tu penses que le jour de ta mort, c'est le cardinal qu'on va inviter. Laisse-moi te dire que même si on invite le pape pour venir bénir ton corps va rentrer dans la poussière. Mmh. Et ton corps va pourrir. Parce que ton corps n'a rien à voir avec l'éternité. Ton corps n'a rien à voir avec la vie éternelle. Donc lorsque tu meurs, ton esprit va sortir de ton corps. Lorsque tu vois quelqu'un un peu bizarre, avec les cheveux bizarres, avec les lèvres bizarres, tu vas directement juger ce qu'il y a dans son cœur. Tu vas dire, il est là pour me faire du mal. Lorsque tu vois une prostituée, tu n'as pas besoin d'aller chercher dans son cœur pour savoir si elle est prostituée. Parce que seulement son image révèle. Amen. Son image révèle ce qui est dans son cœur. Alléluia. Alors, même pas ton apparence, on peut savoir si tu es chrétienne ou pas. Vérité. Et si tu es chrétienne et que ton apparence est encore bizarre, sache que tu es sur la voie large. Vérité. Et la Bible dit que la voie large est la voie qui mène à la perdition. C'est une voie spacieuse. Beaucoup passent par là pour se perdre. C'est une voie où tout le monde est. Dans quelle voie est-ce que tu te trouves? Pose-toi la question. Abandonne pour adopter la volonté de Dieu. La volonté de Dieu pour toi, c'est que tu changes de conduite. C'est que tu marches dans la sanctification. C'est que tu fais tous les jours à rechercher la vérité et à pratiquer la vérité. Le Seigneur t'attend. La volonté de Dieu pour toi, c'est que tu abandonnes les œuvres de ténèbres. Le Seigneur t'appelle à la repentance. Aujourd'hui, si tu écoutes ces voix, n'anticipe pas ton cœur. Le retour de Jésus est imminent. Les temps sont venus. Le retour de Jésus est imminent. Les signes marquent déjà. Le nouvel ordre mondial qui est en train de se mettre en place. Pendant que le monde des ténèbres prépare le retour de l'Antichrist, ils sont en train de préparer le retour de l'Antichrist. Quand vous voyez de telles abominations qui sont acceptées de tous, vous voyez de telles guerres, vous voyez de telles unions, il faut savoir que c'est la préparation de l'Antichrist qui vient. La fin de toutes choses est là. Et avant que l'Antichrist ne vienne, Jésus-Christ viendra enlever son église. Est-ce que tu seras enlevé? Est-ce que tu seras parmi ceux-là qui vont aller au ciel avec Jésus? Pose-toi la question. Si tu rends l'enlèvement, je vous dis la vérité, les choses qui se faisaient en secret là, ça ne serait plus en secret. Ça sera terrible. Les choses seront terribles. Le diable n'aura plus de pitié. Je vous dis en vérité. Le diable n'aura plus de retenue. Ce qui empêche le diable de pouvoir faire pleinement ses œuvres, c'est parce qu'il y a encore le Saint-Esprit parmi nous. Mais lorsque le Saint-Esprit va partir avec l'Église, l'Église de Satan sera publiée. Les œuvres qui se font en secret seront maintenant manifestes publiquement. Et que feras-tu en ce moment? La mort sera maintenant quelque chose de tous les jours. Attention, le malheur sera là. Toi qui as le goût de vivre l'impudicité. Toi qui as le goût de vivre la masturbation. Toi qui as le goût de vivre l'alcool. Tous les goûts de la chair vont partir. Ça va finir, tu ne vas même pas comprendre. Parce que le monde sera maintenant pourri. Le monde n'aura même plus de sens. Parce que celui qui donne le sens à ce monde, c'est parce qu'il y a encore la vie parmi nous. Rendez-vous, la vie qui est parmi nous, c'est le Saint-Esprit. Oui. Et lorsque la vie va être enlevée avec l'Église, il n'y aura même plus de goût à vivre. Wari badi ele wari ba 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 wari badi ele w
n'avances pas dans ta vie parce que tu fais les choses qui sont mal. Parce que tu fais les mauvais choix. Dieu ne va pas descendre du ciel pour te chercher. Mais il te va te faire des choix que tu opères. Change tes habitudes. Change tes modes de vie. Quel est le témoignage que les gens ont de toi? Les gens t'appellent le sauce, le puissant, le terrible, le fort. Tu es content parce que tu es terrible dans le code, dans le mandat. Mais en fait, le Dieu, c'est zéro. Personne n'est grand parce qu'il fait le mal. Personne n'est fort parce qu'il fait le mal. Mais tu es fort parce que tu as la capacité de résister au mal. Jésus, nous bénissons le Seigneur Jésus. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre évangélisation de ce soir ici au marché de Fundi. Alléluia. Peuple de Dieu, sentez-vous saluer. Vraiment, nous sommes dans la joie. La Bible dit, allez faire de toutes les nations des disciples. Alléluia, c'est pourquoi nous sommes sortis, parce que le Seigneur nous donne l'ordre d'aller évangéliser, libérer les âmes qui sont sous le joug du diable et les amener à Christ, dans la lumière de Christ. Alléluia, mon frère, ma soeur, toi qui n'as pas encore accepté Jésus-Christ, accepte-le avant qu'il ne soit trop tard, les temps sont finis. Shalom, 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 gloire à Jésus. Jésus est merveilleux. Mon frère, ma soeur, viens à Jésus. Viens à Jésus. Viens à Jésus. Le Seigneur Jésus est merveilleux. Mon frère, ne rate pas le ciel. Donne ta vie à Jésus, mon frère, ma soeur. L'enfer est réel. Le paradis est réel. Il fait très chaud en enfer, mon frère, ma soeur. Toi qui joues encore avec ta vie, toi qui joues encore avec le péché, donne ta vie à Jésus avant qu'il ne soit trop tard. À quoi sert-il un homme de gagner ce monde? Si personne n'a. Alléluia. Sentez-vous saluer. Shalom, 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 shalom. Pour la vie de mon frère, de ma soeur, je te bénis pour la vie de ton église, pour ta fidélité. Merci pour la force que tu nous donnes de venir encore annoncer ta parole. Merci Seigneur Jésus-Christ pour ta offre et tes bienfaits. Merci pour la restauration, merci pour la guérison. Merci pour ta propre puissance, Seigneur Jésus, que tu ne cesses pas d'opérer dans ma vie. Que toute la gloire, la puissance dans l'Église soit à toi, au nom de Jésus.
La parole te déclare, venez et plaidons dit l'Éternel, si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige, s'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. Alors ensemble, nous allons élever la voix, jubiler le tabac du Seigneur, qui nous purifie, nous capacite, qui nous forge, qui nous nettoie de toute sueur, et qui nous purifie de son sang qui a versé pour nous claquer. Prions au nom de Jésus. Éternel, notre Dieu droit, nous te demandons pour nous purifier, nous pardonner, pour nous faire pour nos rébellions, pour notre incrédulité. Te bénissons, Seigneur Jésus, pour la force que tu nous donnes de venir encore nous humilier devant ta face. Nous te demandons pardon pour nos fautes, pour Seigneur, notre faiblesse. Nous te prions, Père, de nous purifier. Nous te prions, Seigneur, de nous nettoyer. Nous te prions de nous épargner de tout le péché qui n'était pas glorifié, de toutes choses que nous avons faites pendant ce jour qui n'était pas glorifié. Père, nous te prions, Seigneur, dans le nom de Jésus, de nous épurer, Papa, de nous pardonner, d'avoir pitié de nos âmes. Aie pitié de nous, Seigneur Jésus, aie pitié de nos âmes. Seigneur, que ta parole vienne, Papa, nous reconstruire. Que ta parole, Seigneur, vienne nous purifier. Que ta parole vienne, Seigneur. Dieu est un Dieu saint. Il y a du sel là. Et si tu n'es pas saint, de bon sel, tu ne peux pas rentrer au ciel. C'est ce que Dieu enseigne. C'est ce que Jésus-Christ enseigne. Jésus-Christ. Soyez saint. Quand votre père est saint, quand tu couches avec ta copine, est-ce que c'est la sainteté? Est-ce que l'on m'a sel là? Après tu dis j'aime Dieu. Après tu dis je connais Dieu. Écoute-moi, je vais te dire. Même les démons savent que Dieu existe. Même les démons savent que Dieu existe. Mais quelle est la différence entre toi et les démons? Dieu t'a donné le choix de choisir le paradis ou l'enfer. Mais les démons, ils ne peuvent pas se repentir. C'est l'enfer qui les attend. Donc toi, tu dois choisir le bien. Mais si tu dis je connais Dieu, je crois en Dieu, et que tu ne marches pas selon la parole de Dieu, alors toi et les démons, vous êtes pareils. Parce que ce sont des rebelles. Et toi, tu marches dans la rébellion. Repentez-vous. Le temps de feu existe. Le temps de colère existe. Le temps de feu existe. Toi, tu joues encore avec le mensonge. Alléluia, alléluia, Jésus, Jésus-Christ est Dieu, alléluia, Jésus-Christ est Dieu, amen, Jésus-Christ revient. Paix et grâce, mes bien-aimés, dans le nom de Jésus-Christ, voilà, c'est la fin du son de la trompette aujourd'hui à Montpellier. Je reviens demain, si le Seigneur le permet, pour la gloire de Jésus-Christ. Shalom, 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 peuple de Dieu. La trompette retentira. Quand les morts en Christ seront ressuscités, où seras-tu ces jours-là? Oui, mon fils, où seras-tu quand Jésus reviendra? Quand la trompette sonnera, quand les morts en Christ seront ressuscités, où seras-tu ces jours-là, mon frère, ma sœur? Où seras-tu quand Jésus reviendra? Quand la trompette retentira, quand les morts en Christ seront ressuscités, où seras-tu ces jours-là, mon frère, ma sœur? Où seras-tu quand Jésus reviendra? Quand la trompette sonnera, quand les morts en Christ seront ressuscités,
où seras-tu ces jours-là? Sois bien, ma bien-aimée. Oui, mes bien-aimés, les temps sont finis. Les temps sont finis, bientôt Jésus revient. Où seras-tu? Est-ce que tu seras parmi les morts? Sois béni. Est-ce que tu seras parmi les ressuscités? Est-ce que tu seras parmi les enlevés? Malheur à celui qui va rester. Ne restez pas sur cette terre, mes bien-aimés. Donnez votre vie à Jésus aujourd'hui, maintenant. N'attendez pas demain. Tu ne sais pas si tu vas passer la journée. Sois béni, ma bien-aimée. Tu ne sais pas si tu vas passer la journée. Ne meurs pas dans le péché. Ne meurs pas sans Jésus, mon frère. Ma sœur, ne mourrez pas dans le péché. Car le salaire du péché, c'est la mort. Soyez bénis. Je sonne la trompette de la repentance. Moi, je sonne la trompette de la repentance, mes bien-aimés. Bientôt, les anges vont sonner la trompette de l'enlèvement. Quel est l'état spirituel de ton âme? Quel est l'état spirituel de ton âme, mon frère? Où passera-t-il l'éternité? Si tu mourras aujourd'hui, où ira ton âme? Jésus-Christ vous appelle. C'est lui qui a la réponse à cette question. Si tu ne lui donnes pas ta vie, tu es perdu, mon frère. Tu es perdu, mon frère, sans Jésus-Christ. Je vous le dis en vérité. Sortez de la mondanité de ce monde. Sortez de la vanité de ce monde. Les temps sont finis. Les temps qui nous restent, c'est pour accourir à la prière, à demander la repentance pour nos crimes. Avant qu'il ne soit trop tard. Sois béni, mon fils. Tu vas bien? Merci. Amen. Il a redonné la vie à mon âme après tant d'années de souffrance. Jésus a redonné la vie à mon âme. Jésus veut redonner la vie à ton âme, sois béni. Après tant d'années d'aliénation, Jésus veut, tiens ma bien-aimée, Jésus veut redonner la vie à ton âme. Jésus veut redonner la vie à ton âme. Après tant d'années d'impudicité, Jésus veut redonner la vie à ton âme. Jésus veut redonner la vie à ton âme. Après tant d'années d'aime, sois béni. Après tant d'années d'aime, sois béni. Merci. Après tant d'années de péché, Jésus veut redonner la vie à ton âme. Jésus veut redonner la vie à ton âme, après tant d'années d'aliénation, Jésus veut redonner la vie à ton âme. Avant, tu étais dans le péché. Avant, tu étais voleur, oui. Avant, tu étais moqueur, oui. Mais Jésus a redonné la vie à ton âme. Jésus veut redonner la vie à ton âme. Après tant d'années de souffrance, Jésus veut redonner la vie à ton âme. Jésus veut redonner la vie à ton âme. Après tant d'années d'esclavage, Jésus veut... Il revient chercher ceux qui lui appartiennent. Aplanissez ces sentiers. Mettez de l'ordre dans votre vie. Abandonnez le péché. Abandonnez la vanité. Sois bien, ma bien-aimée. Abandonnez la vanité de ce monde, mes bien-aimés. Sortez de ces fêtes avec le diable. Sortez de ces fêtes diaboliques. Car il est écrit, tout ce que vous faites, que ce soit pour la gloire de Dieu. Est-ce que les cadeaux, c'est pour la gloire de Dieu que tu les fais? Depuis que tu t'es réveillé ce matin, est-ce que tu as dit merci à Jésus? Est-ce que tu lui as dit merci pour le souffle de vie que tu as? Tu lui as dit merci pour les enfants qu'il t'a donné, pour le travail que tu as donné? Est-ce que tu lui as dit merci? Repentez-vous. Le roi des rois revient. Repentez-vous, mes bien-aimés. Les temps sont finis. Les temps sont finis, peuple de la terre. Les temps qui nous restent, c'est pour vaquer à la prière, pour vaquer à la repentance.
Je vous le dis en vérité. Où passera-t-il l'éternité, mon ami? Bientôt Jésus te jugera, le sais-tu? Seras-tu parmi les élus, mon ami? Où seras-tu condamné, jeté en enfer? Où passeras-tu l'éternité, cher ami? Bientôt Jésus te jugera, le sais-tu? Seras-tu parmi les élus, mon ami? Ou seras-tu condamné, jeté en enfer? Voici le temps, oui c'est le temps, voici le temps favorable, voici le temps de donner ta vie à Jésus. Voici le jour, oui c'est le jour, voici le jour favorable de te réconcilier avec Jésus ton Créateur. Où passeras-tu l'éternité, mon ami? Bientôt Jésus te jugera, le sais-tu? Seras-tu parmi les élus, mon ami? Où seras-tu? Sois béni. Amen. Où seras-tu? Sois béni. Où seras-tu condamné? J'étais. Sois béni, ma fille. J'étais en enfer. Voici le temps. Voici le temps. Voici le temps favorable. Voici le temps de donner ta vie à ton Créateur. Voici le jour, oui c'est le jour, voici le jour favorable de te réconcilier avec Jésus ton Créateur. Tout dans ce monde va passer, mon ami, avec ses désirs et tout ses plaisirs. Tout dans ce monde n'est que pure vanité. Prépare-toi dès maintenant à la rencontre de ton Dieu. Voici le temps, oui c'est le temps. Voici le temps favorable. Voici le temps de donner ta vie à ton Créateur. Voici le jour, oui c'est le jour. Voici le jour favorable de te réconcilier avec Dieu ton Créateur. Jésus-Christ tend la main, mon ami. Accepte donc l'amour qui t'offre aujourd'hui. Et toute ta vie changera, cher ami. Si tu acceptes sa parole et délaisse tes péchés. Voici le temps, oui c'est le temps. Voici le temps favorable. Voici le temps de donner ta vie à Jésus. Voici le jour, oui c'est le jour. Voici le jour favorable de te réconcilier avec Jésus ton Créateur. Voici le temps, oui c'est le temps. Voici le temps favorable. Voici le temps de donner ta vie à Jésus. Voici le jour, oui c'est le jour. Voici le jour favorable de te réconcilier avec Dieu ton Créateur. Où passeras-tu l'éternité, mon ami? Bientôt Jésus te jugera, le sais-tu? Seras-tu parmi les élus dans le ciel? Ou seras-tu condamné, jeté en enfer? Voici le temps, voici le temps, voici le temps favorable. Voici le temps de donner ta vie à ton Créateur. Voici le jour,
Oui, c'est le jour, voici le jour favorable d'abandonner la vanité pour le royaume des cieux. Voici le temps, oui, c'est le temps, voici le temps favorable, voici le temps de donner ta vie à ton créateur. Voici le jour, oui, c'est le jour, voici le jour favorable d'abandonner le péché pour le royaume des cieux. Des faux pasteurs d'église qui n'enseignent pas le dépouillement. Ouais. Et quand tu n'enseignes pas le dépouillement, les gens, ils se plaisent dans ça. Ouais. Par exemple, quand vous voyez les pantalons, toutes ces choses-là amènent beaucoup. Il y a pantalons, le faux cheveux, toutes ces choses-là amènent les gens en enfer. Ouais. Beaucoup de choses. Mais le problème, beaucoup d'églises n'enseignent pas ça. Ouais. Pour les hommes aussi, il y a par exemple des coiffures un peu bizarres, ouais, bijoux, toutes ces choses. Mais toi, tu ne connais pas encore. Tu vas connaître. Ouais. Il suffit juste que tu découvres, parce que la parole de Dieu dit, il est écrit, vous connaîtrez la vérité vous rendra libre. Mais si vous avez envie, parce que la mort nous guette chaque jour, ouais, mais si vous avez envie d'aller au ciel, vraiment, ouais, vous ne connaissez pas, mais des enseignements, je vais les retrouver, je t'enverrai. Ouais. Il faut que la WhatsApp se mette en place. D'habitude, quand quelqu'un j'enregistre ça, non? C'est parce que là, j'ai pas encore téléchargé WhatsApp sur le téléphone là. Ah. Par message, c'est pareil. Ah oui, mais par message, comment? Par message. SMS. Ah. C'est vrai. Bah non, parce que si je t'envoie un PDF, comment tu vas l'ouvrir? Ah, PDF, bah, j'ai l'appli PDF normalement. Ah, mais attends, regarde. Vous avez par mail. Par mail, mais tu es animé. Ouais. Ah, bon. Il faut que j'écrive les mails dans ton dossier. Vas-y. Tu as besoin de trouver une bonne église qui est dans la sainteté, là où tu dois baptiser au nom de Jésus. Mais une personne qui est chez soi, tu peux avoir une très bonne relation que celle qui va à l'église du moment, et puis le Seigneur il va faire en sorte que tu trouves maintenant une église où tu marches dans la sainteté quand tu te gardes comme ça. Ça n'a rien à voir. C'est surtout ce qui trompe aujourd'hui déjà, c'est les pasteurs. Oui, c'est vrai. Les pasteurs. Il y a tellement d'églises partout. La majorité, 99% des églises, c'est faux. La 95% c'est vrai. Le reste, c'est faux. Même s'il y a 1% qui est faux, c'est faux. Et vos dîmes que vous donnez, si vous donnez dans une église qui ne vous prêche pas, ni le dépouillement, ou bien qui vous baptise au nom du Père et du Fils, déjà, si vous êtes baptisé au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ça, c'est un faux baptême. Bien sûr, déjà, ils disent en Matthieu 28, c'est ça, que allez faire toute nation, mais si vous baptisez, ça, c'est un enseignement. Vous allez dans les actes des apôtres. Quand ils étaient touchés, quand l'apôtre Pierre enseignait, il a dit, alors, qu'est-ce qu'on doit faire? Il a dit, que chacun se repente et soit baptisé au nom de Jésus. Tout le monde était baptisé. Le nom de Jésus, c'est quoi? On prie toujours au nom de Jésus. Parce que le nom de Jésus, il a dit, il lui a donné un nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tous les genoux fléchissent sous terre comme au ciel. Le nom de Jésus, c'est une bombe. Quand vous l'invoquez dans la sainteté, c'est une bombe contre le royaume de ténèbres. C'est-à-dire, même moi, un jour, je me vis en songe où le Seigneur même a combattu pour moi. Jusqu'à ce que j'ai vu, c'était des démons, mais c'était des abeilles que je n'ai jamais vu sur cette terre. Je me suis levé en disant, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Chaque fois que je disais, au nom de Jésus, le feu. Quand vous dites au nom de Jésus, là, ça, en fait, tout ce que vous invoquez dans la pureté, dans la sainteté, ça agit. Mais il faut être dans la sainteté. Dans la sainteté de l'intérieur et de l'extérieur. Mais quand vous allez commencer à vous déprier, vous allez être persécuté. Mais persévérez. Le Saint-Esprit va vous aider. Parce que moi, on m'a persécuté même dans mon travail. Aujourd'hui, moi, je n'ai pas hésité à démissionner dans mon travail réceptionniste. Des fois, je travaille chez Mercure. Ah, les décrets. Je travaille des pantalons, tout ça. Je refuse beaucoup de travail, mais le Seigneur, il ouvre d'autres portes. Il y a même un travail que j'ai maintenant. J'avais échoué, mais le Seigneur a dit, tu as réussi. J'avais échoué. Mais j'avais prié. On avait prié, mais le Seigneur, c'est un Dieu de miracle et de prodiges. En fait, la parole de Dieu dit que on doit déjà chercher le royaume de Dieu et sa justice. Le reste nous sera donné par-dessus. On doit déjà s'occuper des affaires de notre Père. Le reste, il va vous donner. Mais la sainteté, notre Père est saint. Jésus-Christ est saint. Donc, on doit chercher la sainteté de l'intérieur et de l'extérieur pour lui plaire. Voilà. Merci beaucoup. Je vous en prie. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse aussi. C'est pas évident. C'est pas évident, mais le Seigneur est émerveillé parce que
c'est le Saint-Esprit qui fortifie. Parce que des fois, tu te fais insulter, mais le Saint-Esprit, il te fortifie. Et comme tout à l'heure, il y avait une autre guise qui était là, c'est pas évident. Moi, je donne ça et lui enseigne ça, mais le Seigneur lui-même, il va faire que aussi, il va connaître la vérité. Même moi, où je suis, j'ai un peu la mise à l'écoute de Dieu tous les jours. Parce que quoi qu'il arrive, on arrive à prêcher tous les jours. Mais évangéliser, c'est parmi les armes de Dieu, vous le savez. Si parmi, on doit se revêtir des armes de Dieu, il ne faut pas qu'il y en a un qui manque. On est les soldats de Jésus. Donc évangéliser, si vous êtes un enfant de Dieu, vous deviez y aller. Après, vous n'êtes pas obligé de parler. Vous pouvez... Il y a plusieurs moyens d'évangéliser. Vous pouvez arrêter, vous pouvez aller distribuer corps à corps. Et chacun utilise. Moi, je peux tout essayer. Donc, vous pouvez utiliser le moyen du moment où il y a des âmes. Et regarde, moi, je viens là. Est-ce que j'ai prié? Mais le Saint-Esprit fait. Il amène, au début, il a amené une brebis. Shalom, shalom. Peuple de Dieu. Sœur Sarah. De Bourges. La Sœur Madeleine de Olivet. Là, nous sommes sur la place Jeanne d'Arc à Orléans. Donc, on a distribué les flyers, on a eu des contacts corps à corps avec des personnes, des jeunes. Et le Seigneur Jésus s'est vraiment révélé à certaines personnes qui ne savaient pas. Et donc, ils ont écouté la parole avec attention. C'est vrai qu'il y en avait qui ne voulaient pas, mais on ne s'est pas découragé. Non. Voilà. Gloire à Jésus. Quelque chose à dire, ma sœur? Je rends grâce à Jésus vraiment parce que ça nous a... aujourd'hui c'est une grâce parce que Dieu m'a permis d'avoir un repos pour venir parler de lui. Vraiment que son nom soit glorifié au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Voilà. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Le réveil a lieu. Le réveil a lieu. Toutes les nations sont interconnectées à Jésus-Christ. Le réveil a lieu. Soyez bénis. Shalom, shalom. Les soldats de Jésus
servir personne. Merci, Jésus. En esprit et en vérité. Car nous sommes nos pauvres lundas. Repentez-vous. Et tout le monde est comme. Repentez-vous par là. Car ensemble. Les temps sont finis. Allons tout à main. Les temps sont finis. Allons tout à main. Jésus le fait bientôt. Les sauveurs sont comme. Toute chose a son commencement et sa fin. Toute chose a son commencement et sa fin. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Quand je l'entends, est ton main? Tato. Et à la fin, nous la fin de toutes choses arrive. La Bible déclare toutes choses passeront. La parole de Dieu ne passera jamais. Les cieux et la terre passeront. Mais la parole de Dieu demeure éternellement. C'est pourquoi si tu vis actuellement, tu dois accepter Jésus. Tu dois croire en Jésus. Il n'y a de salut en aucun autre nom que le nom de Jésus-Christ. Mais quand Jésus que Dieu nous pardonne, et si tu vis actuellement, Dieu t'avertit. C'est un avertissement que Dieu te donne. Et il veut que tu arranges ta vie. Parce que tu ne sais pas quand tu vas mourir. Tu connais le jour de ta naissance. Mais tu ne sais pas le jour que tu vas mourir. Tu parles de moi aussi en tant que fils. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Et si tu dois donner ta vie à Jésus, tu dois te donner complètement. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Nous sommes au troisième jour de sept jours d'évangélisation non-stop dans le cadre de 21 jours de jeûne et prière. Alléluia. Et le groupe Jésus revient de Lomé et est sorti encore ce soir pour sonner la trompette de repentance, annoncer le retour de Jésus. Annoncer le royaume des cieux avant le son de la trompette. Alors, si tu as la même vision avec nous, nous t'invitons à venir se joindre avec nous. Le retour de Jésus est imminent. Repentons-nous, mettons de l'ordre dans notre vie avant le retour de Jésus. Car les temps sont vraiment finis. Gloire à Jésus. Que le Seigneur soit avec vous, que le Seigneur vous fortifie. À tous les fils et filles du Seigneur Jésus, du groupe international d'évangélisation Jésus revient. Soyez beaucoup fortifiés. Le Seigneur est avec vous. Alléluia. Gloire à Jésus. Nous sommes soldats de Jésus-Christ. Les soldats sur la terre vont sonner la trompette annonçant le retour imminent de Jésus. Alléluia. La victoire de Jésus. Alors vous voyez derrière moi, alléluia, les fils filles de Dieu, alléluia, sont mobilisés. Nous sommes victorieux. Combattons, alléluia. Combattons, alléluia. Combattons, nous sommes victorieux. Combattons les combattants de Jésus.
Pour toi et moi, nous saisissons l'amour inébranlable.
Jésus revient, il revient très bientôt. Jésus, Jésus.
il revient très bientôt. Repentons, alléluia. Oui, Jésus, il faut accepter Jésus-Christ. Après la mort, ce sera tout à si tu es vivant. Tu es vivant, il faut accepter Jésus-Christ. Après la mort, ce sera trop tard. Oui, Jésus revient, il revient très bientôt. Entends-nous, alléluia. Les temps sont finis, Jésus revient, il revient très bientôt. Repentons-nous, alléluia. Oui, Jésus revient, il revient très bientôt. Repentons-nous, alléluia. Les temps sont finis, Jésus revient, il revient très bientôt. Repentons-nous, alléluia. Oui, Jésus revient, il revient très bientôt. Repentons-nous, repentez-vous, les temps sont finis. Il revient très bientôt. Repentons-nous, alléluia. Oui, Jésus revient, il revient très bientôt. Repentons-nous, alléluia. Les temps sont finis, Jésus revient, il revient très bientôt. Repentons-nous, alléluia. Sinon, la mort vous prend.
Lorsque tu marches sur la terre, tu vis ta vie comme Dieu veut que tu vives. Mais vis avec Dieu, parce que tu es Dieu en toi. Mais si tu vis sans Dieu, tu cours du matin au soir, les choses de ce monde, du matin au soir, le temps n'est pour toi même plus la même du temps. Les années passent, tu n'as même pas vu le temps pour un jour pour quitter la terre. Quitter la terre, un seul instant, tu ne penses pas à ça. Alors, voici les rudiments que je suis en train de te donner, les rudiments pour que tu fasses un bilan objectif avec Dieu. Dans l'homme qui marche sans Dieu, il n'y a pas d'avenir certain. Celui qui marche sans Dieu n'a pas d'avenir certain. Oui, c'est le moment de faire ce bilan. Si tu marchais dans l'incrédulité en 2023, bien les méchants cherchent la parole. Je fais du réveil, et ta nuit m'aujourd'hui, je fais du réveil, et là, je fais du réveil, et ta nuit m'aujourd'hui, je fais du réveil, et là, que toutes les nations s'éprient, que tous les saints se mobilisent, que tous les élus se rassemblent à Félix. Le roi des rois, le feu du réveil est allumé aujourd'hui, le feu du réveil.